Et plop les gens, on est de retour sur The Arbillions et on a fini enfin le col étroit, enfin. Du coup on a pris les technologies armes mécanisées qui vont coûter 500 d'or et 20 de bois, donc quand même pas mal. Et stockage mécanisé, 400 d'or, 40 de bois, 40 de pierre, donc beaucoup, surtout pour la première structure mécanique, pour le premier entrepôt quoi, parce que 42 bois, 42 pierres, c'est proche du maximum qu'on peut atteindre quand, tant qu'on n'a pas d'entrepôt, maximum étant à 50. Donc si on n'a pas déjà un marché qui revend les ressources en plus, qui pareil, il faut 42 pierres, donc on a potentiellement déjà perdu un peu de pierres au moment où on l'achète, donc il faut produire l'un des deux assez rapidement. Et les armes mécanisées, des tours d'attaque attaquent les ennemis proches avec des flèches gigantesques. Ce qui est bien, c'est que c'est marqué gigantesque et puis quand on est en jeu, bah c'est minuscule. Mais bon, c'est l'attrait des jeux de stratégie. Et donc on ne va pas s'attarder sur la horde d'infectés pour débloquer le lac gelé, on va pas découvrir la forêt scellée qui est de difficulté 3. Non non, on s'est bien remis en difficulté 200%. Et on va faire le Cap Tempête. J'aurais dû relire. Excusez-moi, mais c'est pas grave. C'est la minette qui miaule dans le dos là, qui m'a perturbé. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Alors le Cap Tempête, on se souvient, on l'avait tenté une fois. Et ça s'était très bien passé, juste qu'à la fin, il y avait une armée gigantesque. Ouais, on va faire ça. Et là, on va avoir besoin de deux rangers qui vont là et de deux autres qui vont là. Et on va commencer par mettre des maisons. Non. Voilà. Je sais plus s'il y avait un zombie là-dedans ou aucun. Si, il y en a quelques-uns quand même. Donc, quand même qu'il explore un petit peu. De l'or. Voilà. Toi, tu veux faire des allers-retours ici. Si on a 13 ans. On va s'étendre juste ici. Oui. Our defenses are being attacked. Trying to break through. Ready and waiting. Et on se souvient qu'il y a des vagues, enfin des
un flux plus ou moins ininterrompu de zombies qui vont arriver. Flux ininterrompu de zombies qui vont arriver par le pont. Et voilà. Et je crois que j'ai des bonus de pêche. J'ai ce souvenir. Là on est à 5. Au maximum on peut avoir 3 là et 3 là, ça fait 6. Est-ce que 5 ça vaut le coup? Oui et non. Toi. Ah oui, et j'ai encore oublié de leur dire d'attaquer les unités les plus puissantes. Ok, ça a l'air d'aller. Non, il faut que t'attaques lui par contre. Alors ici pas encore, du coup on va... Est-ce qu'on en profite? On va attendre, on va essayer d'avoir les deux mines assez vite. Et là, je me souviens qu'il y avait du métal. De bois, on n'y est pas encore. Du coup, on va mettre des maisons. Non, j'ai oublié de faire de... J'ai de faire de la chasse ou je ne sais quoi. 16. Et 18... on va mettre là. Ça a l'air de se passer convenablement. Ça veut dire que tout se passe très bien. Il y a 20, 21. Oh, 25 ici. Et le 21 est compatible. Donc là, 21. Sept,
Ok, les deux qui sont un peu toutes seules ont réussi à devenir vétérans. Ah oui, du coup là c'est bloqué. C'est bloqué, très bien. Et QL qui n'est pas devenu vétéran. Ok, on a plein de tentes et en plus le train arrive juste après. Ok, donc là, on a bloqué toute cette partie-là. Toi, tu vas même venir ici. Voilà. Alors ici, 21, 22. On va tester un petit peu plus loin. Pour le bois ici, ça me paraît bien. Et du coup, on a pas mal de bois. Ah, la caserne. La première caserne. Ok, donc là, tous les zombies qui étaient dans ce coin-là sont gérés. Et maintenant, c'est la foire aux zombies qui sont arrivés un par un. Et qui vont arriver un par un et viser ce coin-là en priorité. De l'énergie. Chercher le fer ici. Ok,
Toi, tu vas te mettre par là. Tu vas faire ça comme un ronde. Alors, là. Ici. Je vais surtout mettre au même niveau et... ici pour avoir toute cette zone là aussi. Alors ici 26 au lieu de 22, ouais, c'est censé être rentable en tout cas. Alors se mettre là, on va mettre un là, c'est bon. Je crois qu'on pouvait pas forcément mettre des cabanes de pêche aux endroits planqués là-bas. Alors là on finit de tout réparer. Oh punaise, je l'ai repéré au bon moment lui. Et c'était toi qui faisais la longueur, bah. On peut faire la mine. Là par contre. On n'arrivera pas à faire plus de 5. Donc on a la mine. Il n'y a pas mieux que juste ça. Cet endroit est inaccessible. Ouais, c'est bien ce que j'avais plus ou moins le souvenir. Là, ça va, mais pas là. Ou vaut mieux 25 que 24. On peut faire l'entrepôt, mais ce qui va nous intéresser en priorité, c'est l'atelier de bois. On veut aussi rester un peu en défensif, on va dire, là, sur nos positions. Quoique, oh, il y avait le 22. Oui, un 18, c'est pas si grave. Et en 21... Un 17. Voilà, on a mis des maisons de chasse tout autour. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre des tentes.
Et je sais pas. Green ligne toute droite de maison. Faut plus de travailleurs, il va nous falloir plus de ouais, ça va être bon. Maintenant on attend l'atelier de bois et les soldiers. Le fer et plus d'or. Le fer arrive. Et l'or théoriquement bientôt aussi. Alors il passe par la gauche ou par la droite? Il passe par la gauche. Là ou là, je sais pas. On va voir. Ok, la première rangée de maisons. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le savoir, on s'en fiche un peu. Alors, 22, 19, 20. Cinq. Super. Bah toi tu te sens prête à courir? Tu as bel et bien zéro d'expérience, toi tu viens là. Je crois que c'est la recherche, qui a tué le gros, qui a eu toute l'XP du gros du coup. Si c'est plus urgent d'avoir un entrepôt ou un atelier de bois, peut-être l'entrepôt, je veux dire, comme ça je peux faire une meilleure production de tout ça. Et avoir des plus gros stocks pour la suite. Là, ça fait pas mal plus de bois, pas mal plus de nourriture. Ah, mais je peux même pas le mettre là. Là, c'est quand même trop près des ennemis pour le moment. Un peu les mêmes effets. J'ai aussi un peu plus de pierre, mais la pierre me sert à rien. Enfin, utile, mais voilà. Dommage que là je puisse pas. Comme ça. Comme ça. Ça paraît bien. À part les cabanes de pêche et la mine de tout à droite, on a tout et on a les deux. On a les deux Siri, alors comme ça, en se disant que on mettra une autre par là et comme ça, ça gênera pas. Je pense que la première vaut mieux qu'elle soit là, le premier entrepôt. Et là on a 4 soldats, 5, 6 soldats qui sont prêts. On va peut-être juste attendre le cinquième.
sixième, on va l'envoyer là. On va te dire de venir ici. Bon, il peut quand même s'en occuper. Je suppose. Voilà, c'est bien, ils réussissent à avancer. Surtout le gros que j'ai un peu peur. Ils peuvent gérer un gros. Et c'est à peu près tout. Mais ça suffit. Non, peut-être pas autant. Ok, on a notre petite troupette. Voilà, comme ça ils font un peu de bruit, ils attirent un peu tout le monde. Mais ils sont suffisamment puissants pour absorber tous les ennemis. Ici, j'ai pas du tout regardé. 20, c'est bien ça. 30. On va commencer par là. Hein. Si le 30 me disait de prendre le 17 plutôt que le 20, j'aurais été ok. Hein. Bien ça. Ça a l'air de bien se passer, comme la première fois, de toute façon. Hein. La difficulté de cette mission, c'est pour une fois pas le début. Mais c'est justement quand on gère. Un starter plutôt simple. Alors vous allez vous mettre là plutôt. Ouais, là.
J'ai plus de travailleurs. C'est qu'il est temps de faire des maisons. Mais c'est là, j'ai peur qu'il y ait même plus de chemin pour faire le tour à un moment, donc on va se restreindre et voilà, ce sera déjà bien. Avec tout ça, oui, il manque des travailleurs, bah voilà. Il manque des travailleurs. Et on pourra faire l'atelier de bois. L'atelier de bois, lui, on peut le mettre dans un coin plus ou moins planqué. Tant qu'il gêne pas. Et alors ça, ça aurait peut-être été bien de le mettre par là. On va voir. Amélioration des mines. Là ou là, ça aurait été bien. Pas grave. On va faire 100. Là, au lieu de faire tout le tour par en haut, vu que maintenant c'est bloqué par ici, il passe par en bas. Ok, vous... Je vais me faire un petit tour. Tu montes là. Toi, tu es avec ton pote vétéran. Voilà, ça c'est parfait. Donc maintenant on peut développer ici comme bon nous semble. C'est-à-dire que un marché ce serait intéressant.
Peut-être que cette troupette peut commencer à recycler tous ceux qui sont vétérans et les emmener. Toi. Je vais venir ici. Et on a besoin du marché qui est en cours. La ferme, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, ici. Et là, parce qu'on a un peu besoin quand même. Et de. C'est d'augmenter la zone pour le moment et d'augmenter l'économie. Ici je peux. Si hein. On va mettre ici. Ici. Et ça me paraît bien. Tu dors. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut. Des chalets. Ce 15 là au moins il est pas dans la portée de du marché. Quoi ça vaut de l'or. Building completed. That will be easy.
Let's go. That will be easy. Let's go. Come on. Here we come. Building completed. Let's go. D'accord, ici on peut pas passer. Ok. Donc en soi, je vous demande d'aller là. Si toi je te dis de faire des allers-retours ici, je saurais que c'est toujours ok. C'est parfait. Une liste de nourriture plus. Ouais, plus faim. 9. Allez. Ah non, le 24 j'y ai droit. Et de l'autre côté. 17, 34. 6, mais je pense que. Ouais. 8, 21. Vite 18, c'est pas mal. Dès que j'ai une petite troupette qui est arrivée. Je ferai en sorte de. Avec une petite troupette, je ferai en sorte de... d'échanger les vétérans contre du sang frais pour que tout le monde s'exerce un peu. Ils y arrivent. Ouais. Any orders? Perfect.
Come on. Let's go. Perfect. Ah, ici. Ici, ça peut arriver jusqu'au mur, donc on va recruter les deux prochains soldats pour aller là-haut. Ferme. Ici, il faudrait qu'on fasse un entrepôt, je pense. Il y a pas mal de choses. Au secours. Alors, technologie, il manque plus que la grande baliste, mais la grande baliste, on va attendre un peu. Parce que c'est quand même une technologie de fin de partie. On va se mettre là. Ouais, là, c'est très bien. En visant d'avoir des cabanes de pêche jusqu'au bout. Voilà. On a besoin de mines, de cabanes de pêche. Voilà. Ça on verra plus tard. On peut rien faire d'autre de toute façon. Alors car en fait on peut les faire beaucoup plus proches entre elles que ce que je pensais. Si c'est quand même des vagues. Voilà, alors ici on
peut potentiellement. Non, on a plus d'or déjà. Il n'y a plus que lui qui est déjà à 95, 91 ans, donc. Tout se passe bien, c'est pas grave si si c'est des vétérans qui gagnent plus d'XP. Alors j'ai deux groupes, un qui avance et l'autre qui est juste derrière. Eux ils sont bien là, juste pile poil pour Là ils sont là juste pour que les ennemis ils touchent pas le mur. Ah, tu vas toucher le mur, je te tire dessus. Petit poil. Je peux améliorer tout ça, mais je sais pas s'il vaut mieux genre que je mette. Pas de la pêche de 22, et je vais jusque là, j'ai 38, j'ai quand même droit à ce 22 là en tout cas. Là j'ai un 20, j'ai un 24 qui avance beaucoup, donc oh non, le 30 j'y ai pas accès. Ah si. Entre ce 30, j'ai l'impression qu'il m'enlève à la fois le 24 qui est ici et un autre 24 qui est là. Donc 24 et 24, ça fait 48, ce qui est quand même mieux que 30. 7, 20. Alors le 20 quand même. Le 20 ici et le 19 là. Quelques cabanes de pêche ont été produites. Comment il a attaqué quoi. Même pas 100 PV de perdu.
manière de le faire. Ici, il y en a deux de plus, souvenez. Il y a... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des maisons. On a la moitié du temps, je pense que là il faut commencer à... Peut-être ne plus trop se restreindre niveau caserne et tout. Si on peut avoir de la pêche, on peut pas avoir de la pêche. Bien. Oh, ici on peut avoir 25. Et on peut pas. Ok. D'accord, il n'y a plus d'or. Ouais, nos défenses ont perdu 9 PV. Là. Une troisième et peut-être une quatrième. Ouais, cinq. Peut-être pas mal ça. Alors. Je pense que tu peux commencer à rechercher. Là, il y a les deux infectés grassouillés. Ils se font démonter instantanément. En même temps, tout le monde tire dessus, du coup. Ça va vite. Hop. Il nous faut plus d'énergie. Je sais pas si l'énergie est améliorée avec le entrepôt. Il y a du pétrole, mais le pétrole, on sait pas l'utiliser.
Donc, le pétrole, on le vend. 40 or pour 5 de pétrole. Ça m'avait l'air rentable. Et on va acheter des... On va améliorer les maisons, parce que les maisons améliorées... Voilà, parce que les maisons, c'est ce qui nous donne des sous. Et pour le moment, c'est la seule ressource, avec un peu le bois, mais pas beaucoup. Qui nous manque? Alors, on a fait tellement de bruit ici que tous les zombies qui étaient là sont venus. Même ceux d'ici apparemment sont presque déjà tous venus. Hop, on va se mettre là après. D'ailleurs, on va peut-être commencer à investir ici. Là, le but c'est de faire le plus de bruit possible pour attirer tous les zombies d'un coup. Et qu'on s'en sorte. Ok, alors ici, il faut avancer ici, hop. Miner de l'or directement. Ah, pour le moins très pratique. Miner un petit peu d'or.
Hop, et après tu pourras venir ici parce que je vais totalement t'oublier sinon. Le moment où je me souviendrai de lui. Voilà quoi. Ok, donc apparemment on a toute l'île à nous maintenant. Donc il faut s'établir dessus. En profiter au maximum. Venir chercher les ressources les plus loin, qui sont les plus intéressantes. De l'or directement, c'est mieux que du bois en excès que l'on transforme en or. On a besoin d'or en tout cas. Il nous faut de l'énergie. Alors, je pense qu'ici, bûcheron, ce sera pas ouf. Là, sous. Peut-être mettre des fermes ici. Non, on n'a pas de sous. Par contre, niveau défense. C'est qu'on peut plus construire dès qu'on est sur le pont. Mais je sais plus à quelle distance du pont on a le droit au plus proche. Alors... ici c'est bien, pas mal. C'est l'énergie qui va me manquer en premier. Encore, toujours. Tout ce qui est embêtant avec l'énergie, c'est qu'on peut pas mettre les moulins à vent trop proches. Alors ici, 5, 6, calculer peut-être pour un peu plus que 6, mais calcul pour pas grand chose. Et je pense c'est l'une de ces deux cases les mieux, on a 100. Et 40.
Alors là, on a 100, 100, 120, 110. Et ben, on va se contenter de 120. Ah. D'accord, là il y a 4 cases qui sont pas... Ce que je sais c'est que là j'ai suffisamment d'armée pour le moment. Il me faut le maximum de ressources. Alors, là on peut avoir 60, pas beaucoup 60, là on peut avoir 40. C'est 4, 12, hein, ça. 120. Là c'est 110. On peut avoir les deux d'un coup. Oui. Ici, on peut avoir tout le pack, donc normalement, ça veut dire toutes les ressources. Là, j'ai pas fait gaffe. Il nous faut du bois d'ailleurs. 4 ici, comme ça, on peut mettre lui là. Mon stock maximum, capacité maximale 6800 d'or. C'est pour ça que j'ai l'impression de jamais avoir d'or, c'est que en fait mon stock est énorme. Alors 62 54. D'ailleurs on pourrait avoir d'autres entrepôts. Ouais. Alors, pas sûr d'avoir besoin de ça. Voilà. Donc là, les poissons, je pourrais les reprendre sur toute l'île. Faire une zone éolienne par ici. Alors 16, 13, 13. Si 12 c'est pas mal, mais 13, 12. Ouais, ici le bois n'était pas génial. Ok, non, maintenant je vais tirer sur les cibles les plus proches. Attention.
Je crois que l'énergie, on va en avoir pas mal besoin en plus. Alors. Là on peut avoir 120 et rajouter 40 ici je crois. Parfait. Avec tout ça. Entrepôt ici. Quoique j'ai plus spécialement besoin d'entrepôt, j'ai besoin de sous. Dit sous, dit maison. Et j'ai besoin de commencer à réfléchir à mettre plus de. S'investir dans. Je commence à investir dans mon mur et réfléchir comment placer les. Comment placer les. Comment ça s'appelle? Elles sont là. Les grandes balistes. Les grandes balistes ont besoin d'énergie. Est-ce que je les colle là ou est-ce que je laisse un espace? Non, je les colle. Je sais pas. Je sais pas trop. Avoir 10 et là je peux avoir 10, non même pas, tant pis. Les poissons, la nourriture, j'en aurai assez normalement. Là, ça vaut 500 d'or. Donc, on va attendre un petit peu. Et par contre c'est pas cool, je vois pas bien. Et là je peux pas, mais là je peux construire. Je pense que je vais construire une autre ligne ici.
super. At your service. On your attention. Building perfect. Completed. Understood. Alors, des maisons. Hop, hop. Ah, on est déjà sorti de la zone du marché. Peut-être faire un deuxième marché, je sais plus où. J'avais mis peut-être par là, mais peut-être ici. J'avais déjà mis ici, je sais pas, mais. Et vu que là, il y a déjà les fermes. Toujours 30 sur 47, 33 sur 47, il y a plus de 10 jours d'avance. Donc là, faut vraiment que je... Que j'ai pas de regrets et que je focus plutôt l'économie quand même. Lui, faudrait que je le transforme aussi. Après, j'ai pas de porte ici, c'est un peu gênant. Un peu gênant d'avoir. C'est pas grave. Peut-être que un mini labyrinthe, ça les, ça aidera pas les ennemis. C'est pas trop. Hop, annulé. Alors, on veut. Jusqu'où je sais pas, donc on va prendre dans le sens, hop, nourriture. Oh, je pensais pas, je pensais qu'on en avait plus ou moins fini avec la nourriture. 22 35, est-ce qu'on a le droit au 20 quand même? Non. Peut-être c'est quand même pas. 31 c'est mieux. 3. Hop. Alors ici 19. Bon. 3, 21 on peut pas. Pointe c'est quoi? C'est 35. Quoi on peut... Non, le 25 on peut pas l'avoir. Là on peut avoir le 24, 21 et quand même un 19. Hop, 17 c'est quand même assez moche. Surtout que dans cette mission, les cabanes de pêche sont améliorées. D'accord, là je peux pas. Bon. Ici 25, oui. Tant pis. 46. 46, j'ai 2 à 46, ah ouais quand même.
Ouais, enfin... Ah, on a encore 7. Ouais, puisque de toute façon, sinon c'est perdu. 1. Ça devrait faire assez là pour le moment. C'est quoi? Il faut avoir une population de 1500. Ah, j'en suis qu'à 1000. Ok. Et résister à toutes les vagues, bien évidemment. Ou alors je dis que, ouais, je veux dire que les deux premières lignes, surtout la première, ils sont un peu sacrifiés, et tant pis. Vous avez qu'à pas être les premiers soldats. J'ai 10 de nourriture et tout d'un coup je vais avoir 645 de nourriture. Ouais, il y a eu quelques problèmes de nourriture à un moment dans la colonie et puis tout d'un coup tous les pêcheurs se sont mis à travailler d'un coup à l'unisson, c'était beau. Jamais nous n'avons eu de problème de nourriture. L'énergie c'était pas la même, mais alors tac tac tac. Oh, il en manque un. On va les faire tout de suite. On va le produire tout de suite avec avec ses camarades. Comme ça. On pourra fermer. Et à partir d'ici, on essaiera peut-être d'alterner les tours et les. Enfin les tours en bois et les. Et les lanceuses de grosses flèches là. 30. Oh, 30 c'est pas si mal en vrai. Non, je vais pas faire comme la dernière fois, essayer d'enfermer des gens dedans. Surtout au premier rang. Peut-être ici, vu qu'il y a une porte. Et là, du coup... Hop. Alors ici, on a plein de thunes. Vraiment 3000 balles. Il faut que je faut que j'apprenne à tirer des traits droits, moi. Bon, en diagonale mais droit quand même. Ok, c'est bel et bien le bois qui nous manque en priorité.
Plus de... Bon, après, on a fait 10 soldats. On a commandé 10 soldats, plus exactement. Alors ici, là, il y a déjà deux maisons. D'épaisseur, je veux dire. Allez. On n'a plus de bois. On a largement suffisamment de soldats pour le moment. Vin de bois, s'il vous plaît. Voilà. Plus d'or. Il manque un petit peu là. Peut-être ici aussi. Ouais. Et bah c'est tout. Économies du marché seront suffisantes là-dessus. Il n'y a plus d'énergie. Oui, l'énergie, on avait dit en plus que les balistes en, vont en avoir besoin. Donc l'énergie n'est pas du tout à négliger. Alors, j'ai des soldats qui deviennent vétérans. Alors, là je peux pas.
gagné 3000 balles. Oui. Hop, et on va mettre. Peut-être pas dû les supprimer en avance, mais c'est pas grave. Oh, je peux mettre des. Ah mais là, je peux faire juste ça en fait. Attendez. Est-ce que je peux. Un mur devant, une tour derrière. Ouais, c'est magique. Peut-être pas ici du coup, je sais pas. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Et une tour derrière. Il nous reste une dizaine de jours. Je pense qu'avec ça, ça a plus de chances de bien se passer. Alors, nous disions que. Il en manque un, là il en manque un. Là on verra. Bon. Je pense qu'on peut juste faire ça en fait. Une ligne de baliste avec des lignes de baliste avec les tours incorporées au lieu d'alterner baliste et tours. Je pense qu'on peut totalement faire ça. Ça coûte une blinde les balistes. Et comme vous voyez, ça met un peu du temps à se construire. Alors les balistes, on leur dira quand même à toutes de viser d'abord les ennemis les plus... Non en fait on va pas faire ça. Ça coûte une blinde et ça met masse de temps à se construire. Donc c'est pour ça qu'il faut les construire dès maintenant. Ah, tant pis, hein, c'est trop tard. Alors, ici, 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 ici. Et
de l'arme. Ok. Donc c'est ça, dès qu'on amasse de thunes. Enfin, dès qu'on a de la thune, je veux dire, on blinde les soldats. On va en voir une tirer. Ouais, elle tire. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont... Elles n'ont pas d'expérience. Qu'elles ne deviennent pas meilleures en butant des ennemis. Bon, celle-là, on va pas la faire tout de suite. Je vais voir ce que ça donne avant. Ah, ça c'est bon. Ouais. Waiting on orders. Attention, building completed. Reporting for duty. J'ai à la fois l'impression d'avoir beaucoup et pas beaucoup. Parce que le mur il va pas jusque quasiment à la... C'est ça que je voulais. Le mur ne va pas jusque là, jusqu'à là. Et il me reste que 86 de nourriture. Jusqu'au centre-ville, là, jusqu'à la base centrale, donc j'ai l'impression d'en pas en avoir assez. Et de l'autre côté, c'est des balistes, quoi. Les balistes, c'est pas censé rigoler. Plus de nourriture, ouais. Bon, on va peut-être arrêter les maisons parce que ça me bouffe de la nourriture. Alors que je préfère quand même avoir des soldats. Il y a déjà quelqu'un qui récolte, ok. 21, 22, allez, hop. 28. 19, ouais. Non, mince. Alors, on a dit 8. Alors. On va faire dans l'autre sens. Mais les cabanes de pêche aussi, ça prend de l'énergie. Alors, 31. C'est idéal ce que je suis en train de faire là, les 31. Oh, 24. 30, 24, 29, 31, ouais. Et 31. On aura un 38. Ah, c'est le 18. 23. Non, même pas le 24 là.
rien. Oh, de la nourriture. Non, il y a un 13 quand même. Et 15, c'est pas mal. 16. Si vous arrivez à mettre des choses par là. Tac, 11. 3. Quand je vois qu'on est à 300 de nourriture, ça devrait aller au final. Alors, ici... Non, là... Alors, je vois que la thune a bel et bien monté. Donc on va... Voilà, il n'y a plus de thune. On va demander quelques balistes. On avait peur de gâcher de l'argent. Peur. Alors là, je sais pas si je le mets là ou là. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est vraiment une mauvaise idée au final parce que les petits bouts de... C'est trop tard. Mais les petits bouts là de mur en bois devant protègent pas les balistes. Les balistes vont se faire infecter. Et les ennemis vont passer à travers. Donc ceux qui sont à côté, ils vont morfler tout autant quoi. Ils vont se faire démonter dès que la baliste sera ouverte. Et pas. Là, ça tire de plus loin. La X, ça les pète beaucoup plus léger, donc autant tirer un tout petit peu plus loin. Ça défendra plus tôt.
Alors, on en était là. Si on en arrive là, c'est vraiment la catastrophe. Je pense. Est-ce que je fais plus de casernes en vrai? Là, c'est un peu tout ce qui me reste à faire. La production de soldats. 5, 6, 7. Ce serait bien d'en avoir une 8e comme ça. Ouais. Ah. 8, ça fait 2 tours qui sont produites d'un coup. Enfin, des gens pour mettre dans 2 tours, quoi. À chaque cycle. Bien que ces 5 là, j'en ai pas oublié quelque part. Oula, est-ce que tu arrives là? Presque synchro. Dommage. Dire potentiellement peut-être mettre juste des tourelles ici pour protéger au cas où du cas où. Là je sais qu'ici il m'en manque mais maintenant que je produis pour remplir de 2 tourelles en 2 tourelles. Tant que je remplisse celles qui sont entièrement vides.
Je sais pas trop comment je vais faire un mur de... Un mur là. Potentiellement je vais peut-être même détruire les casernes, non? Au moins celle-là. Si je mets les casernes plus loin, genre... Ah là... Ah. 1, 2, 3... Je voulais en détruire 5. 4... Cinq. Sept. Huit. De toute façon, j'ai les thunes maintenant. En fait, je sais pas si je mets des... Non, je peux pas mettre ça. Ici, il faut que je mette... Là, on peut pas. Là. Tellement paisible. Tellement le calme avant la tempête. Ici. Je sais plus du tout combien j'avais de soldats, là j'en ai 225. Ce que je fais de eux, je sais pas si je les mets là tout de suite et ça je le garde comme voilà, je détruis ces casernes là pendant l'attaque et la reprod va là dedans. Une journée.
4 heures. Alors. Waiting on orders. All the way. All right. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Reporting for duty. Reporting for duty. Attention. Reporting building for duty. Completed. Reporting for duty. Commander? Understood. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, cette ligne là n'est pas remplie, mais tout le reste, oui. Alors maintenant qu'il y a quasiment toutes les grandes balistes, on sélectionne toutes les grandes balistes et on leur dit en priorité les plus forts. On a plus de 300 soldats. En priorité les plus proches. On va voir comment ça se passe. J'espère que vous êtes content de devenir vétéran en étant genre en première ligne, garantie de mourir. En fait,
Alors, comment ça se passe? Eux, ils gardent leur rang, hein, bien évidemment. De soldats derrière. Alors ici, oublie les cycles de prod. Sachant que quand ils seront à peu près à ce niveau là, ça sera le moment où il y aura le plus de DPS. À ce niveau là, ça sera quasiment... Regardez, eux ils sont au premier rang et puis au final, ils prennent leur temps pour crever. Hein. Il y en a certains qui commencent à tirer, surtout sur la gauche d'ailleurs. Alors comment ça se passe en vrai? Il n'y a pas une masse qui s'accumule énormément comme la fois d'avant où bah, ça, ils arrivaient là et tout. J'ai l'impression que ça se passe mieux. Après peut-être que... J'ai une impression que ça se passe mieux juste parce que j'ai envie que ça se passe mieux, hein, je sais pas. Ok. Servent à rien en fait. Ceux qui sont en haut ils servent pas à grand chose. C'est la fin ? C'est la fin, hein. Il n'y a qu'une seule grande baliste qui s'est fait infecter du coup. Allez, aidez vos potes.
Et c'est la victoire. Oh. Ah bah, je vais pas dire que ça compense, mais ça contraste avec les 20 points de score final de la partie d'avant. En même temps, pas le même genre de mission. Bon. J'ai remarqué que j'ai pas des masses parlé, hein. Désolé pour ça, j'étais concentré à certains moments. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Maintenant, on a débloqué les plaines, qui est une mission de niveau 2, alors que les forêts isolées est une mission de niveau 3, tout comme le lac gelé. Il y a des chances qu'on fasse les plaines d'abord. Est-ce qu'on regarde... qu'est-ce qu'on peut débloquer avec 180 de sciences, j'en ai aucune idée. Les berges, peut-être. L'hébergement, peut-être. Le transport de pierre, comme ça, on n'aura jamais besoin de mettre une mine de pierre pour avoir le. pour avoir la première caserne, mais bon, c'est peut-être un peu abusé à ce niveau-là. Il faut sûrement que j'arrête de faire confiance au train, même si c'est des énormes avantages en tout début de partie. Les médicaments, je pense qu'il y a plein de choses bien. J'ai pas spécialement envie de réfléchir vraiment là tout de suite. Donc on va s'arrêter là. Ouais. Ouais, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure sur The Arm Aliens.